Hey, 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 cucu, mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode de House Flipper. Comme vous pouvez le voir, mon jardin n'a pas bougé d'un pouce parce que j'attends d'avoir la fibre qui sera normalement installée demain à l'heure où vous regardez cet épisode. Dans 24 heures, normalement, la fibre est à la maison, mais apparemment, c'est pas effectif de suite. Enfin, j'en sais rien, je verrai bien. Et vous serez au courant quand je ferai un petit live House Flipper. Surveillez bien l'onglet communauté, mon compte Twitter, mon compte Insta, etc. etc. Et vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Voilà pour ma partie promotion. Et on va repartir faire des petites missions dans la petite maison. Enfin, dans les petites maisons. Alors, en mail, nous avions Tomasz Zmijewski. Cinéma en plein air. Donc, nous allons voir tout de suite ça. Ma vieille tante a finalement déménagé chez nous et a emmené tous ses chiens avec elle. Oh, quel bonheur! Ces animaux ont probablement fait pipi à l'acide. Quoi? Ces animaux ont probablement fait pipi à l'acide. Aucune plante n'a survécu, même pas l'herbe. Ah mon Dieu, maintenant, c'est comme une aire de battage partout. Je veux avoir un espace barbecue et un cinéma d'été plein air pour profiter avec des amis. J'ai déjà choisi l'écran, il reste encore des transats, des haut-parleurs et un peu de verdure à y mettre. Ok, ah bah franchement, ça va, au départ, ça paraît un peu léger comme mission, mais là, je pense qu'on va devoir mettre de l'herbe, des plantes. Et voilà la petite maison avec... Eh bien, avec le jardin un peu en friche, avec le pipi à l'acide des chiens. On est d'accord? Bon, je tente toujours d'ouvrir, hein. Non. Moi, je suis curieuse. Alors, ici, nous devons tonder la pelouse et répandre l'herbe au rouleau dans la zone. Oh là, calme-toi, débroussailleuse de l'enfant, de l'enfer, de l'enfant. En même temps, j'ai même pas besoin de la tondre en fait, j'ai juste à foutre les rouleaux et ça tond en même temps. Hein. Voilà, je pense qu'il va falloir tondre ici aussi. Oh là là, ça va être long, les enfants. J'espère que vous avez le temps. Oui, non, mais je tonds partout, moi. Hein. Il faut enlever les mauvaises herbes et tout le bordel, je suis sûre. Donc, là, c'est l'endroit des chiens. Voilà, là, là, là. Oh, le jardin, il n'a pas l'air très très grand, donc c'est au moins ça. Sinon, j'espère que vous allez bien. En ce moment, c'est un peu la chaleur, hein. Un peu la canicule. J'avoue que là, moi, j'ai fermé les fenêtres pour éviter que de l'air chaud rentre. Même si je suis au nord, plein nord, quoi. Je préfère prendre les devants comme ça. Et j'ai mis le petit ventilateur en route. Mais bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus frais. Mais vous inquiétez pas, je survivrai, hein. I will survive. De toute façon, tant que j'ai la fibre, ce sera génial. Ta-da-da-da-da. La-da-da-da. Oh, excusez-moi, hein, je suis concentrée sur ma pelouse. Et là, ils me disent, ah, mais il fallait pas la tondre ce côté-là. Ah bah trop tard, moi j'aurais pas regardé les objectifs. Mais là, elle tonde la pelouse, donc de toute façon, ouais. C'était sûr, hein, quand on voit la taille du maquis, on comprend qu'il faut tondre. Hein. On n'est pas non plus né de la dernière pluie. Ah, ce bruit est quand même assez insupportable. Répondre, ouais, en fait, ça va être vachement de l'herbe à mettre et couper. Mais bon. Moi j'y vais. Coupe tout. Voilà. Ce bruit de débroussailleuse et qu'est-ce que c'est ça? Il y a un truc bizarre collé à votre arme, monsieur. Est-ce que c'est logique? On ne sait pas trop. Ah, oh, ce bruit de la débroussailleuse, quoi. Elle devrait être à au moins 50 000 degrés à l'heure actuelle. Parce que je la fais aller vraiment beaucoup beaucoup. Bon, désolé si vous voyez pas très bien, mais je vais être sûre de couper les mauvaises herbes en même temps, en fait, comme ça me fait gagner du temps. Et comme il faut bien les viser. Allez, hop, comme celle-ci, hop. Allez. Un petit tour dans le jardin pendant qu'il n'y a pas les chiens qui font du pipi à l'acide. Oh la vache.
C'est impressionnant ton blood blues quand même, on va pas se cacher. Ouais, on est d'accord. Hop, petit débroussaillage. C'est l'épilation pour l'été, hein. Sortez le maillot. Hop, Shirley, elle vous fait une épilation ticket de métro. Voir ce compte-là, c'est pas un ticket de métro, c'est plutôt la grève RATP, quoi. Parce que comme j'enlève tout ce qui dépasse. La grève RATP dans les slips. Excusez-moi, vous savez, toujours j'ai des blagues de merde. Surtout pendant le flipper. Il faut bien que je meuble pendant que je tombe parce que c'est vraiment pas très passionnant. Mais bon, mon humour très bizarre, décalé, voire lourd, a tendance à plaire des fois. Des fois. C'est pas forcément. Ça marche pas à tous les coups, mais bon. J'espère que celui-ci vous plaira. Oh, regardez, c'est tout propre. Est-ce qu'il reste ton de la plus 92%? Ouais, ici. Il reste quelques poils sur le free-free. Non, celui-là, il veut pas partir. Oui, ok. C'est vrai que les chiens, ils ont tendance à faire le même chemin à chaque fois qu'ils pissent. Hein, c'est pas possible. Alors, ici, c'est bien. Ici, c'est pas bien. Regardez, il reste encore quelques trucs. Et là, il y a encore des grosses touffes. Voilà. Oh la vache. C'est vrai que c'est des chiens qui pissent de l'acide, hein, c'est pire que les chats. Hein. Il y a plein de trucs à faire là. Bon, on fera ça après. Ici, enlever les mauvaises herbes. Tondre la pelouse, je suis à 95%. Les mauvaises herbes, il m'en reste quand même encore pas mal. Attendez, là, il y a vite fait quelques petites herbes. Enfin, Ah, sont là les mauvaises herbes. C'est des rebelles, hein, il faut passer plusieurs fois. Hein. Mauvaises herbes, 92%. Et alors, du coup, elles sont. Ouf. Attendez, je vais enlever le portable. Je suis désolée pour vos petites oreilles. Ah, il y en avait une là. Ok, c'était la dernière. Ici. Tondez la pelouse 96. Ok, bon bah je vais devoir reprendre. Ah oui, je vais regarder face à avec la minimap, ce sera plus facile parce que là, ça c'est fait. Il y en a encore là. Là, il y en a juste derrière. Et droit devant. Là. Apparemment c'est bon. Apparemment c'est bon. Ici, rien à déclarer, Jean-Pierre. Ici, il faut mettre du gazon. Ah non, planter des arbustes de conifères. Oh là là, mon Dieu, j'aime tellement planter. Le planter de bâton, vous connaissez? Ici, c'est de l'herbe. Ok. Ici, encore de la moumoute là. Et ici, il n'y a rien à faire. Et ici non plus. Je crois que j'ai fait le tour, non? Attendez, la plus 97. Ah. C'était ce petit bout ici. Ah non, non, c'était pas celui-là. Ah, attendez, il est où? Celui-là, je me repère à la map. À 97 et une mauvaise herbe qui traîne. Mais... Ah, c'est peut-être ces trucs-là qu'il faut comme ça enlever. Non? Ah, je n'ai pas encore disponible. Bah, si, on l'a débloqué la dernière fois. Mais bon, on va pas couper les arbres si on nous demande pas. J'ai pas. Il y a une herbe que je vois pas. Moi, être biglousse. Et répandre l'herbe. Ok. Bon, bah écoutez, on va commencer, hein. J'espère que vous êtes bien installés. Ça va être encore quelque chose de long. En plus, ici, ça va être sympa, le déroulage de l'herbe en rouleau. Ah, jardinier, grande débroussailleuse, pelbechie, hache, faisa. Ou alors, taupinière visible sur la mini-carte. Oh, bah, je vais faire la hache. Et puis, on va commencer avec le rouleau d'herbe. On va faire le grand gazon. Il voudra pas, bien sûr. Hein?
Voilà, on va devoir le coller à l'autre bout. Oh, il commence à me plaire, moi je vous le dis celui-là. Comme ça, c'est bon. Ok. J'en aurai un grand et un moyen peut-être. Ici, c'est aussi répandre l'herbe au rouleau. Donc on va commencer à le mettre. Tac. Ouais, mais il va y avoir des écarts. Je serai obligée de remettre des petits rouleaux. Hein. Je vous jure, ce jeu. Le jeu me troll. Ok. Alors, ici. Ce carré-là, il n'y a rien. Enlever les mauvaises herbes. C'est pas quand tu enlèves? Ok, bon, bah bref. Je vais mettre déjà les rouleaux un peu partout. Comme ça, au moins, ce sera fait. Là, j'ai pas tout vu. Ici, c'est répandre. Ok. Nous, on va en mettre par talle, comme ça, là. Est-ce que ça couvre? Ouais. Peut-être pas vraiment jusque là-bas au bout, mais là-bas au bout. On va mettre des dalles et tout le merdier. Ici, c'est des conifères. Ici, Reb, il faut remettre de l'herbe, d'accord. Voyez que c'est quand même un peu. Ça, j'aurais pas allé 15 000 fois dans le mode achat pour acheter de l'herbe. Vous voyez un peu le délire? Bah, je serais obligée pour remettre de l'herbe, de la petite herbe, parce que bon, il y a des écarts entre les gros rouleaux, mais bon, ce sera toujours ça de gagner. Ah, je suis coincée! On va du coup ici. Ah bah déjà, là, ça va être couvert. Ça va être couvert jusqu'ici. Donc je mets un petit roulal ici. Ça devrait aller. Bon, allez, on va commencer par celui-ci. Attendez, couper et finir. Non, il faut dérouler avant. Mais vas-y, Jean-Pierre. Couper et finir. Mais de quoi couper et finir? Ah non. Je me suis fait troll. Mais le jeu, sérieux? Parce que genre, je suis sûre, c'est ça, la mini barrière de mes fesses qui fait que je peux pas tout dérouler comme j'ai envie, quoi. Ouh. Et après, il va me dire, mais non, t'as 98% d'herbe! 66. Oui, parce qu'il y a un bout ici, mais qui sera recouvert avec ce qu'il y a là-bas. Moi ici, je peux pas passer, hein. J'ai pas été intelligente, hein. J'ai pas réussi à passer, attendez. Et si le monsieur... Oui! Alors. Et je pense qu'il faut enlever. Oui, ok. Faut tout enlever. Les niches et tout ça. Placer l'objet écran de cinéma et répandre l'herbe au rouleau. Nous allons répandre l'herbe au roulal. Ce sera mieux. Non! Eh merde, j'ai coupé! Tiens, une mauvaise herbe. Oh non. Je m'auto-troll, c'est compliqué la vie. Mais en fait, je vois eux et mon réflexe c'est de retaper sur eux au lieu de cliquer en fait. C'est tout bête, mais. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout ou je vais me faire co coincer? Non, ça a fonctionné! Oui! Ah non, là du coup je clique alors qu'il faut. Ah non, mais je vous jure, ouais. Ça va pas très bien tout seul dans ma tête, moi. Tac. Voilà. Et reprendre, je vais peut-être prendre deux moyens du coup. Les roulades. Petit, grand, gazon. Ouais, voilà. Ouais, on peut dire ça, ouais. On peut dire ça, ouais, on peut dire ça. Excusez-moi, je suis dans ma réflexion. Ouais, il va y avoir un gros trou, ça va pas être beau. Ah, il faudrait que je remette juste un petit machin là-bas sur le bord aussi. Achat. En fait, c'est hyper satisfaisant, mais c'est long. Puis en plus, il faut en mettre plusieurs pour bien jauger la largeur, machin, truc muche. Ou bien que ça se recouvre et tout. Bon, c'est quand même plus joli comme ça, regardez! 96% quand je vous ai dit qu'il n'est pas content. C'est le petit machin qui est là, je suis sûre. Et là, il y a un trou. Oh, puis là, il y a un trou.
68%. Oui, allez, on va aller là-bas. Est-ce que mon monsieur, il veut bien passer par-dessus? Oui, il est mignon, il aime bien sautiller, mon monsieur. On va faire E et je clique, hein, je n'appuie pas sur E tout de suite, sinon je me fais avoir. Puis grâce au potal, et on va devoir recommencer après. Bon. C'est dommage, elle fait pas de bruit, l'herbe, quand on la déroule. Ça aurait pu être satisfaisant. Ok. Ils vont pas être contents, je sens. 83%. Ben oui, regardez les petits trucs, les petits trous là. Et puis même, il y a le bord là. Oh là là, mais Shirley Enterprise, elle fait du caca quand même. Hein. Faut pas le dire. Hein, mais... Ah mince, j'ai mis de l'herbe là. Il n'y avait pas besoin. Oh, tant pis. On va pas commencer à se prendre le chou. Ici, on est... Ah, on est à 95%. Ça a quand même bien augmenté. Et il y avait le trou là-bas que je vais donc boucher. Également avec un petit roulax. Non, alors si j'appuie pas sur les bonnes touches. Je vais aller jusqu'au bout. Comme ça, si ça va recouvrir peut-être des trous qu'il y avait là-bas. On peut toujours rêver. Voilà. 4. D'accord, il en avait rien à secouer. Et il y avait un trou ici aussi. Là, 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 le trou. Le trou dans le gazon. D'accord, c'est même pas ça qui le dérange. Je sais même pas, 95% c'est quoi que ton... Parce que là, t'as pas du tout... Ouais, il y a un trou encore là. T'as pas du tout augmenté ta jauge et ça me casse les pieds en fait. Hein, voilà. 95, bon bah tant pis. Hein. Je vais pas commencer à me prendre la tête. J'en avais là-bas. À dérouler. Donc nous allons le faire. Dans la joie et la bonne humeur, et dans le respect du Seigneur. Hamdiloula. Amen. E. Clic. Ok. Et vous voyez que là, nous avons un beau petit trou. Et là, il me dit quand même 96%, alors qu'il y a un énorme... Il y a un trou beaucoup plus gros que celui de tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Mais non, le jeu, il dit bon, non, ça va, tranquille. T'inquiète. Je gère. Je suis tolérant. Voilà, ici, j'ai plus d'herbe. Et là-bas, j'en avais plus non plus. Hein? Attendez, si, il y a le truc de base, peut-être. Oui, je l'avais pas mis. Alors, on va le faire. Alouette. Ok. Ici, il dit qu'on est à 64%. Quand même. Et là, je vais reprendre mon moyen. Comme ça, Charlie, comme ça. Et hop. On déroule Raoul. Et maintenant... Il m'a validé! Ouais! Trop cool! Ici, je suis à 83%. Écoutez, on va ressortir encore le rouleau. C'est impressionnant, en fait. Hein, truc d'herbe, là, quand même. Qui sait, je me traite peut-être en méga accéléré. Allez, au bord, comme ça. Je fais ça bien, hein. 94. Hey, mais c'est les petites rainures, là. Oh, écoutez, monsieur, vous savez, l'herbe, elle va repousser entre les petits trous. Hein. Et à quoi? Il y a 5 mm et ça va repousser. Ici, c'est les arbustes de conifères de ta mère. Et après, on va passer à tout ce qui est... Ok, donc on va faire les arbustes, déjà, tout de suite, comme ça. Alors, deux arbustes de conifères, forme largement conique. J'aime tellement ces appellations qui sont tellement prises de tête, mais tout va bien. Arbustes de conifères, forme largement conique. Arbustes de conifères, forme largement conique. C'est celui-là. Allez, on va pas se casser les pieds. Je vais en mettre deux. Il en veut deux, Raoul? Eh ben, il en aura deux. Alors, un. Et deux. Voilà. Et 3-0, comme on dit. Et deux arbustes de conifères type rampant inversé. Mais oui!
Mais vous aussi, vous en voyez tous les jours des arbustes de conifères à forme rampante inversée. Alors, c'est type rampant, mais là, on veut de l'inverser. Donc, en fait, c'est... Je sais pas. Ah, ça! Eh, hop là. Type rampant inversé, non mais... Franchement, on prend pour quoi, là, de nous donner des noms pareils? Est-ce que c'est bien aligné? Est-ce que ça va être mignon? On s'en fout. On s'en tape! Jean-Robert, alors, qu'est-ce que tu me fais? J'ai une super pelle, là, maintenant, donc, voilà. Alors, là, c'est encore eux. Et après, on va voir mon petit jet d'eau d'amour, bien sûr. Oui, la petite jet d'eau! Ah, puis alors là, il fait chaud! Si j'avais un jet d'eau, je m'en aspire, je me foutrais dedans. Hein, vous me dites dans les commentaires si vous voulez aussi que je vous foute du jet d'eau dans la tronche, si vous avez chaud. Hop. Ah oui. C'est très rampant. Voilà. Et en plus, comme j'ai mis de l'herbe, eh ben, ça fait super beau. Voilà. Ça fait pas un gros truc dégueu, non, vous avez... Ça fait bien comme il faut, on dit, hein. Hop, non. C'est eux. Et après, je fais le clic pour le jet d'eau. Oh, punaise. Oh, j'ai envie de m'en foutre partout. Oh. Quoi, moi j'ai des soucis? Mais non. Mais non, il faut se détendre, les enfants. Et d'ailleurs, regardez! Ah non, j'ai cru qu'il avait un impair, le mec. Mais c'était juste la pelle qui est jaune. Oh là là, mais ça devient grave, hein. Il faut que je dorme la nuit. Faut que j'évite d'être réveillée à 6h du matin par mon chat, quoi, qui fait le con. Ah, oh, oui, tombe-moi dessus, jet d'eau. Asperge-moi, asperge-moi, asperge-moi! Alors, la suite. La suite, ici, ça m'a validé. Ici, ça m'a validé, bon, à moitié, enfin, à moitié. Oui, non? C'est ici qu'elle va avoir plus de taf, hein. Dalle Symphonia 100 x 100. Il en faut 20. J'espère qu'ils ont bien calculé les dimensions parce que je ne vais pas le faire pour eux. Alors, Symphonia 100 par 100. Il me faut surface, dalle. Alors, je vais faire Symphonia comme ça. Ah! Ah! Oh, c'est Juminouche! Alors, on va changer de couleur. J'ai envie de faire cette couleur-là. Et le... On va prendre ça. Allez, achat multiple, c'est parti. Mon kiki. Bon, il n'y en aura pas au bord de la maison parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Donc, on va faire ça comme ça. On va bien sûr juxtaposer, juxtaposons. Je suis sûre que ça va déborder, regardez. Regardez. Tant pis, hein. J'en ai mis combien? Oh, mais il y a un écart! Oh non, hein. C'est pas possible, ça, hein. J'avais pas vu, moi. J'ai pas fait attention, hein, les enfants. Va falloir que je repositionne tout. Moi, j'y peux rien, hein, si le jeu, il fait des boulettes, hein. C'est peut-être moi qui ai fait la boulette, hein. Ah si, regardez, c'est tout juste. C'est tout juste Auguste, hein? Voilà. Bien sûr, faut que j'arrive à la remettre maintenant. Oh là là. Bah non. J'y suis arrivée. C'est dans la concentration extrême. Et toi aussi, du coup, tu vas te décaler. J'en décalais, voilà, regardez. Ça va bien avec la couleur de la maison. J'en ai mis 10, donc c'était bien par 5, ok, très bien. Je n'étais pas sûre, vous savez, moi, les maths, on n'est pas copains. Je me concentre pour pas faire de bêtises. Hop. Hop, comme ça. Là, je recommence pareil au même niveau. Pour que les jointures jointes. Parce que c'est toujours important que les jointures jointes. Sinon, si elles jointent pas, eh ben, ça ne va pas. Alors, je vais arriver à ma 20e plaque.
Et ben voilà! Bon, par contre, il y a un petit souci. Peut-être qu'il fallait en mettre que 4. Alors moi, j'ai tout fait. Regardez, au moins, vous sortez de votre maison qui est complètement vide à l'intérieur. Vous avez votre petit carré comme ça, de 4... non, de 5 rectangles, du coup, de 4 sur 5. Vous faites votre life. Alors, il faut placer deux fois le canapé Mérodi. Canapé d'angle côté droit Mérodi. Canapé d'angle côté gauche Mérodi. Table basse Mérodi. Parasol de jardin Nasofa. Et chaise longue d'auto. Et le projecteur. Ok? C'est dans ce petit espace quand même. Jean-Jacques, t'as abusé. Ah, attendez, faut faire des trucs. Ah, il faut remettre deux dalles ici. Mais c'est quoi ton con? C'est juste pour le barbecue. Bon, écoutez, j'y suis encore. On va y mettre. En fait, ça aurait dû aller jusque là-bas ou que je sais pas. J'ai merdoyé dans le truc, moi. Ouais, il faut juste les. Alors, c'est quoi? Le grill. Vengel, s'il vous plaît. Vengel, quoi. Ah, bah, c'est celui qui a juste une seule couleur, donc comme ça, on est tranquille. Voilà. Ouais. Ouais, bah tant pis, il y aura un trou, hein. Je vais pas rajouter des dalles, hein. Ils m'ont pas payé pour, hein. La meuf. Alors, canapé Mérédi. On va avoir ça. Je veux fermer, s'il vous plaît, merci. Module Mérédi, canapé d'angle droit, canapé. Ah! Oh, on va essayer de faire un. Voilà, ça c'est beau, ça. Voyez, vous le sentez, la beauté? Regardez, comme ça va tellement bien. Ou pas. Non, par contre, je veux bien cette couleur-là. Ça changera, par contre, bien sûr, les. Ouais, voilà. C'est peut-être un peu plus mieux comme ça. Comme ça. Écoutez, on va faire du moche, hein, et puis voilà. Il m'en faut deux, de toute façon. Je vais les poser un peu à l'arrache et je ferai l'aménagement quand j'aurai tous les éléments. Parce que là, comme je ne sais pas trop. Comment ils veulent que je fasse la maisonnée? Canapé d'angle droit, Mérédi. Alors, je redis. Mérédi. D'angle de côté droit. Je refais la même couleur. Non, j'avais mis ça et c'était ça. Avec les pieds comme ça. Si je n'ai pas des bêtises. Ouais, c'est ça. Oui, ça va être parfaitement même. Vous pouvez trouver ça moche, hein, je suis complètement d'accord. Hein, c'est pas très jojo, mais. J'ai envie d'utiliser au moins une fois ça en fait, comme je suis pas sûre d'utiliser dans mes maisons que je vais acheter et vendre. Donc voilà. Bon, ça pourrait être étonnant, mais on va prendre ça. Oui, ben Jean-Pierre, gauche, il est là. Oui, pourquoi il me le mettait pas ça, ce fils de, hein? Fils de comment s'appelle? Enfant de juron, c'est ça que je voulais dire. Oh là là. Oh. En Mérédi, c'est la table basse maintenant qu'il me faut. Si je commence à lever la machin, la truc muche là, table basse. Du coup, je reprends aussi les mêmes coloris. Jean-Pierre, voyons! En bas! En bas! Jacques, monsieur Houille! Placez l'objet parasol de jardin Na Sofa. Na Sofa. J'espère que les couleurs sont sympas avec le parasol Na Sofa. Eh oui! Ah bah, c'est le magnifique! Ah, mais alors là, il n'y a aucune couleur qui va aller, à part celle-ci, peut-être. De toute façon, on n'a pas le choix, on le fera avec celui-là. Ouais, ça, c'est spécial comme couleur, mais bon. Chaise longue d'auto. Mais. Ils croient qu'ils ont assez de. Oh, c'est pas très joli. Ils ont assez de meubles comme ça, donc on va faire le raccord, hein, les enfants. On va mettre tout de la même couleur. C'était comme ça? C'était comme ça? C'était comme ça. Eh. Hop, voilà. Hein? Et le projecteur, évidemment, il manque le projo. Ouais, alors, on va faire comment pour l'aménagement? Je vais déménager un peu par là. Vous inquiétez pas, je vais essayer de faire un truc sympa. J'ai essayé, parce qu'en fait, c'est surtout de la déco et tout ça, et que c'est sympa au flipper pour ça, parce que vous pouvez soit mettre en vrac comme ça, vous n'avez rien à fiche, parce que vous avez fait. Ce qu'on vous a demandé, mais des fois vous pouvez aussi faire un semblant de truc sympatoche quoi. J'ai envie de mettre un fauteuil là-bas, comme ça.
Le parasol. Oh, il est long à choper, hein. Le parasol, ouais, ici, c'est bien. Vous voyez, vous êtes assis ici et vous avez le truc. Donc, bah, vous êtes dans l'angle déjà, donc vous êtes tranquille. Après, mettre un petit truc. Ouais, mais en fait, j'ai envie de faire plus une banquette avec ces deux-là. Donc, si banquette il y a, je vais peut-être les mettre là. Bon, ce sera pas du tout à sortir. Enfin, je veux dire, la table, ce sera pas autour de la table en fait. Regardez, j'ai fait une petite banquette. Oh, vous êtes d'accord avec moi, hein? Oh, avec mon accent du sud pourri. On va mettre le truc. On peut en biais. Est-ce que ça le fait? Sachant qu'il y a le gros bazar à poser aussi, hein, donc bon. Là, on va mettre la petite table ici. On va dire que. Oui. Au pire, il bouge le truc, hein. Mais où est-ce que je vais le mettre, ce machin? Place. Je vais le mettre là. Bon, écoutez, au moins il est sur la bonne parcelle, hein. Marcel, la parcelle. Dans ce cas-là, je mets le truc en face comme ça. Ouais. Et lui, je le mets en dessous du parasol. Un peu en biais comme ça. Voilà, je pouvais le mettre. Bon, c'est pas l'idéal, hein. Vous avez le choix de vous mettre là, de vous allonger là. Et si vous êtes arrivé trop tard, vous avez droit à la banquette ou le fauteuil. Bon, ça va. Ils ont l'air quand même confortables, donc c'est pas non plus. Voilà. Hein? Il y a eu pire. On a déjà vu pire dans la vie. On va mettre le projecteur, que je vais poser sur la table, bien sûr. Plus, c'est tellement magnifique. On va le mettre qui se projette par là, puisque je mettrai l'écran ici. Ah, oh, et puis il me saoule encore avec l'herbe. Ça va, hein. Écran de cinéma. Mais fermez, s'il vous plaît. Écran de cinéma en plein air. En même temps, il n'y en a qu'un seul. Je sais pas pourquoi tu te vénères. Ok. Puis c'est encore brushy. Ça doit être, je sais pas si c'est une marque. Est-ce que le projecteur donne bien sur l'écran? Presque. Le souci du détail, vous voyez. Vous êtes assis là, vous pouvez regarder votre film. Parce que ici, il veut pas qu'on mette de. Moi, j'aurais mis quand même des canapés un peu en face de l'écran, mais bon. Écoutez, chacun son truc. Le soleil se couche et ben ma progression est quasiment parfaite. Disons que c'est, il manque des petits pourcents au niveau de la pelouse. J'ai envie de dire, on est bien quand même, hein. Oh, il y a eu un petit souci, les enfants de. Hein? Vous-même, vous savez pas faire le raccord, hein. Regardez, c'est pas Jojo, hein. Ah là là, House Flipper, ils font du caca. Bouh! Allez! Ah, oh, il y avait un petit balcon, j'avais pas vu! Ah, oh, mais c'est trop cool! Peut-être qu'un jour, ils nous ajouteront des maisons avec des balcons. Je suis pas sûre qu'il y a des balcons. Bref! Je vais donc terminer la mission. On est à 92%, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est tout d'herbe. 5488, on dit oui, on termine. J'empoche l'argent et je rentre chez moi. Et me voici à ma petite maison. Et moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. Voilà, c'était une bonne petite mission. En temps, elle était semi-longue, elle était bien, quoi. Tranquille ou bilou. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour la suite des missions de House Flipper Garden. Et n'hésitez pas donc à checker mes annonces sur Twitter, etc. pour voir si je vais faire un live House Flipper, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Je vous préviendrai parce que s'il y a la fibre, bah, ce sera YouTube, sinon bah, ce sera sur Twitch. Je vous fais des très 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 gros bisous, j'espère que vous souffrirez pas trop de la chaleur. Et puis si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller voir les petites pubs sur YouTube. Moi je vous fais des très gros bisous encore, je sais, j'en ai déjà dit. Et je vous laisse, allez salut!